Salut à tous, c'est Lindaday et on se retrouve sur Swag & Sorcery. J'ai fait quelques sorties sans vous, histoire de pouvoir avancer, hein, pour pouvoir vous montrer autre chose de jeu. Alors donc, ah, une arbalète de bandit. Donc on a une nouvelle arbalète, on pourrait même la faire tout de suite. Mais j'étais, ouais, même une veste de bandit, d'accord. Cuir noir, et eh ben écoute, tu vas nous faire plein de cuir noir, vas-y, fais ta plaisir. Donc on va mettre lui. On va pouvoir enfin construire la bibliothèque, donc on le fait. Ok, on valide la quête. La connaissance et le pouvoir, on termine. Un chat, du lait, poif et mamzelle. Mon whisky et mon herbe à chat. J'aime bien la touche humoristique. Le whisky est mauvais pour la santé. Pendant ce temps, un visiteur inattendu est sur le point d'arriver au village. C'est quoi ça? Il va forcément se passer quelque chose de chouette par une aussi belle journée. D'accord? Dis-moi tout, qu'est-ce qui va se passer? Oh. Pas de courrier, c'est trop nul. Ouais. C'est ta cinématique qui est trop nulle là, mon pote. Non, j'adore la patte graphique du jeu, je la trouve vraiment jolie. Je n'ai pas de miroir, mais je suis sûr d'être la plus belle de tout village. Pas trop narcissique toi quand même. Ouh! Dites-moi, vieux bonhomme tout nous. Vous n'avez pas un miroir par hasard? Du fameux village. Quel village? Super. Bon, écoute, on va passer à la cinématique. Un art ancien. Vos héros vont avoir besoin d'aide pour exécuter les nouveaux ordres du roi. Ok, de quoi de plus efficace que cela, la magie? Ah! Commencez par étudier l'absorption d'essence dans votre bibliothèque, d'accord? Donc c'est à ça que ça sert. Absorption d'essence. Bah, on étudie. Bon, pendant ce temps-là, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc le cuir, c'est bon. On va faire, bah écoute, tu vas faire une armure. Et un pantalon. Bah écoute, carrément même. J'espère que tu vas crafter du. Enfin, tu vas pouvoir nous crafter du bon stuff. On va faire ça ensuite. Et ensuite le plastron. Ouais, voilà. On devra améliorer le stuff de tout le monde, ça peut qu'être positif. Ok, je valide. Boutique de magie. Super. Parfait. Alors, qui va encore oser dire que les livres ne servent à rien? Vous allez désormais pouvoir récolter des essences sur les monstres et vous en servir pour produire du mana. Ok. Et là, il faut quoi? Ah oui, 5 planches de pain. Ok. Je les ai pas encore, mais c'est pas grave. Le secret du cube, c'est quoi? Bienvenue. Ah, je vois que ces étranges cubes sur la table vous intriguent. Moi aussi. Je trouve fascinant. Hein, d'accord. Apporter 10 essences. Bon, bah très bien. Tu vas aller là-bas. On va augmenter ton moral pour... En fait, quand on augmente son moral, ça augmente aussi les chances de crafter du bon stuff. Donc tout est bon à prendre. Déjà, on va t'équiper. Toi, tu vas prendre... Ah, c'est niveau 7. Il faut que tu sois niveau 7. Et là, t'es niveau 5. Niveau 7. Ça nous a coûté une blinde, mais c'est pas grave. Boum. Et boum. Ah, plastron de soldat niveau bleu en plus. Ah, enfin vert. C'est top. C'est top. Ça, je suis content. Pantalon de bandit. Tu vas avoir du meilleur. Fais toi surtout. Tu vas t'équiper. Ah, c'est niveau 9. Ah oui, niveau 9. D'accord. Ah, puis j'ai claqué tout mon plaid pour l'autre. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, attends. Déjà, on a des choses à vendre ici. Bâton d'adepte, on va le garder. Ok, bah on est reparti. Elle devrait déjà faire plus de dégâts, j'imagine. Ouais, niveau dégâts, c'est un peu la même. Essence faible, d'accord. Bon, on va laisser bosser tranquillou. Pour augmenter leur moral. 105 pour augmenter le moral, c'était ça coûte déjà une blinde. Eddie, tu vas t'augmenter, tu vas être niveau 7, voilà. Je sais pas si ça prend effet. Ouais, si ça prend effet. Ah oui, d'accord. Elle est tout seule maintenant. Bah écoute, tu vas rentrer, je pense. Oh, t'es tellement nul. Mais t'es tellement nul. Oh, la violence du truc, quoi. Il fait que de se soigner, en fait. Allez. Oh, elle a perdu. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, ils vont soigner. On va essayer de faire des potions de soins, parce qu'ils sont tout claqués, j'imagine. On a même plus assez de ça. Bon, bah très bien. Alors, c'est pas grave.
On va laisser se reposer. On va augmenter leur morale. Qu'est-ce que c'est que sa main lourde? Débloque le renfort main lourde du spa qui augmente les dégâts infligés par héros. D'accord, pourquoi pas, c'est bien ça. L'énergie 50, fabriquer 50 mana. Mais ben oui, je veux bien, mais pour l'instant, le mana, on l'a pas forcément. On va faire le concours, on va participer. Peut-être moyen de gagner elle. Lui par contre, il n'y a pas moyen, mais c'est pas grave. On va essayer de faire le concours en attendant sans nous. Sa réputation. D'accord. Très bien. Bon, il nous faudrait, en fait, il nous faudrait des soins. C'est quoi un dard de guêpe extrêmement toxique? Ne vous piquez pas avec. D'accord. Cruche de mana. Bon bah ça, je pense que je vais découvrir ça un peu plus tard. Le cuir. Ok. Bref, il faut juste qu'on les renvoie à l'aventure, hein, mais là pour l'instant, on va assister à la fin du. Je sais pas quelle attente on a eu, donc ça sera une surprise. 6, 4, 5. Pourtant, je trouve pas trop. Pas hyper stylé. Lui, par contre, est avec son casque et tout. 5, 5, 5. Résultat. On n'est même pas classé. Eh ben, c'est pas grave, au moins on aura essayé. On va repartir. Ici, j'ai pas vu ce que c'était. On n'a pas encore été dans les ruines noires. Bon, du minerai de fer. Ok. Du bois. Bah, pour l'instant, tout est bon à prendre parce qu'on n'a rien de tout ça. Donc, faites-vous plaisir. Hein. Ah, j'aurais pas remis de potions. Oh, ils prennent tellement cher, par contre. C'est violent, quoi. Dard. Bah, justement, le dard de guêpe. Justement, j'en parlais tout de suite. Ok. Je suis pas hyper serein. Ce qui... Comme ils ont pas de stuff... Ils ont pas de bon stuff, je suis pas hyper serein. Du coton. Et encore du coton, d'accord. Je sais pas encore à quoi me sert le coton, sincèrement, j'ai pas encore idée. Ah, c'est un mort-vivant, c'est ça? Ouais, voilà. Et bah, très bien, ça s'est bien passé pour une fois. On va fabriquer une planche, il fallait, je crois que c'était... Pour ça, il fallait 3 planches de plus. Est-ce qu'ils ont des potions équipées? Ouais, ils avaient plus de potions. Lui, on a encore 5, mais lui, bon, bah, c'est pas grave. On va essayer de te faire passer niveau 9 le plus vite possible que tu puisses t'équiper de ton stuff. Repartez là-bas, ça s'est bien passé, donc pourquoi pas. Encore du coton. Un élite, notre première élite. Sur cette map-là. Oh bon, on l'a désossé le truc. On l'a désossé. Bon bah très bien, battez-vous. Là le problème c'est qu'on n'a pas d'autres héros. Qu'est-ce que je fais? Je recrute d'autres héros avant d'améliorer ceux-ci, ceux-là? Non, je pense que je les améliorerai quand même parce qu'ils sont vraiment trop nazes. Ça m'embête de le vendre, on est vraiment galère de thunes. On va le garder quand même, j'ai pas envie de le vendre. Ah, on peut faire une potion, on va la faire aussi. Alors comment ça se passe là-bas? Oui bah là normalement vous êtes tranquille, hein. Pierre de regret. Ok. Ah, pour l'instant ça se passe bien. Bizarrement ça se passe bien. Il fallait 3 planches. Donc là on va en faire que 2. Toi tu vas aller là. Truc pourri. Je sais pas à quoi ça sert honnêtement. Je pense que c'est pour... Ouais je pense que c'est pour élaborer des potions, j'imagine. Je ne sais pas encore, on verra. Toi tu vas aller là-bas. Se détendre. On est reparti. J'ai l'impression que cette zone-là est plus facile. Alors c'était une impression, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est plus facile que l'autre. Voilà, encore, il y avait 2 esquives d'affilée, bah, dis donc. Et en plus 42 PO. Allez, bastonne-toi, ça c'est bon. On est déjà aux 3/4 peut-être? Ouais non, un peu plus de la moitié. C'est pas les 3/4. Elle cartonne derrière. Vraiment, elle cartonne. Autant lui, il rate souvent ses coups, mais elle cartonne. C'est son nouveau stuff, je pense, qui la rend aussi pété. Et bah, ça s'est encore bien passé cette fois-ci, hein. Vraiment agréablement surpris. Parce que j'ai pas trop confiance.
dit d'essence, mais je sais pas trop. Y a un truc à faire avec les essences là. Non. Ça c'est pour les concours de mode. On va les soigner. On va les renvoyer alors cette fois-ci là-bas. C'était plus dur, mais c'est pas grave. Lingots de fer, bah déjà oui, on va en faire plein. Et il en fallait combien? Donc là déjà on a ce stuff là, c'est très bien pour l'épée. Ah bah on aurait même pu faire l'épée. Et bon, on va faire l'épée niveau 8. Et lesquels niveau 7? Il nous faudrait vraiment. Ah non, déjà elle est mortelle derrière. C'est pas grave. Rentrons-moi avec un peu de bois. Essaye de finir tout seul. Est-ce qu'il a des potions? Il avait une potion. Très bien. Je crois qu'il n'y en avait que 4. Je sais pas combien on a utilisé pour l'instant. Oh, je le sens pas du tout. On va rentrer avec les essences. Ouais, on va voir. T'as une potion ou pas? Ouais, il a une potion. Il peut encore tenir le coup, là, logiquement. Ouais. Ok. Si on tombe, s'il n'y a pas d'ennemi en face, on peut tenir le coup. Ouais, il y a un ennemi. 155. Allez, vas-y, on tente le coup. Allez. Vas-y, t'as une potion. Avec la potion, normalement, tu devrais pouvoir rentrer à la cool. Allez. Non, esquive. Oh là là, tu vas encore niquer une potion pour un coup ou quoi? C'est abusé. C'est bon, il est rentré. Ouh, tendu, hein? Très, 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 très tendu. Bah, déjà, il va aller là, lui. Tu vas nous faire plein de. Même encore, hein, d'ailleurs, derrière. Ouh, tendu. Non, 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 c'est pas toi qui va la faire. On annule, c'est pas toi qui va la faire. C'est sûr que toi, tu vas pas y arriver. J'aimerais bien avoir une chance d'avoir un objet de qualité supérieure. Ok. Allez, tu tentes le coup. C'est pour toi, donc t'as intérêt à te concentrer. Elle fait 10-24 et celle-là 28-64. Donc déjà, elle devrait être beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Donc elle qui a été normale. Bon, c'est pas grave. On avait 18% de chance, mais c'est pas grave. 1150, mais c'est abusé. Comment veux-tu qu'on ait 1150, quoi? On va refaire un plastron de soldat. On va essayer de le vendre. Quant à toi, du coup, ça donne quoi? Et on va refaire un autre. On va essayer de vendre. Très bien. On va quand même comparer avec le stuff qu'ils ont pour être sûr, pour être serein. Ouais, plus 35% de dégâts, mais moins de défense. Hey, bah il peut l'équiper, je suis naze, il peut l'équiper. Plastron de soldat, plastron de milicien. Bah écoute, on va l'équiper, on va l'équiper, on va le vendre celui-là. L'épée, on peut pas encore l'équiper, on va trop mettre des vies, bah, des potions de vie. La veste de bandit, fais-moi voir la veste de bandit. Est-ce qu'elle est mieux? C'est la même. Ok, bon, on va la vendre. Ça on vend, ça on vend, ça on vend. Ok. Tu passes niveau 8. Il fallait que tu passes niveau combien déjà? Je crois que c'était niveau 8, hein. Merde, j'ai. Oh, je crois que j'ai vendu le stuff que je voulais lui mettre. Non, j'ai vendu l'épée. Mais quelle naze, j'ai vendu l'épée. Oh, le naze. Oh, j'ai pas fait exprès. Bon, bah, c'est pas grave. On va lui recrafter une nouvelle épée. Pas de soucis. Tu devrais faire plus de dégâts, logiquement. Ok. Sort. Bon, ça sera pour plus tard. Bon, on va les laisser faire ça. Cuir noir, on a planche. Fabriquer. Et c'était quoi qu'on. Ouais, c'était ça qu'on devait fabriquer. Donc normalement c'est bon. Si on fabrique deux planches, on devrait être tranquille. 250, non, on va garder l'argent pour l'instant. Pour le début. Non, mais on croit qu'il y a combien des planches? Deux, bah parfait. Exactement, c'est parfait. Donc on va les laisser rentrer.
Celui-là, vous le déglinguez. Hein. Bon, il est mort, mais c'est pas grave. C'est bien, tu rentres. Hop, vous rentrez en vie, c'est bien. Toi, tu vas nous faire des planches. Et on va enfin pouvoir construire notre boutique de magie. J'adore la construction comme ça qui tombe du ciel. Je trouve ça tellement... Non, ah, c'est à ça que ça sert du coup le coton. D'accord, je vous demandais. Chemise adepte. Ok, alors attends. Mana fabriqué? Comment on fabrique du mana? Brouillard recule encore un peu, héros, pour voir où... D'accord, c'est bien. Comment on fait du mana? Je vois pas comment on fait du mana, alors attends. Non, il va tuer des monstres. Récolter les essences, elle maintient en forme. Il va y avoir un truc à faire avec les essences. Hein. Peut-être là-dedans, non? Avec la récolte sur les monstres afin de convertir en mana. D'accord, ok, je veux bien, mais... Où est-ce qu'on convertit? Désolé, hein, je cherche aussi un peu, mais je vous ai dit, je découvre le jeu en même temps que vous. Détends-toi. Ah, bah, fiole de mana, c'est ça. Ok, bah, on en fait 5. D'accord, c'était ça, très bien, je ne savais pas. Et là... Oh, je suis dégoûté d'avoir vendu mon épée, je suis naze. Je suis vraiment dégoûté, quoi. Bah, toi, tu vas nous faire en même temps des... Des planches de bois, vas-y, fais ta plaise. Ok, on termine. Vous avez suffisamment d'essence à présent, vous devez apprendre à vous en servir. Nous avons confisqué un sort de trait de feu à un sorcier mal intentionné, étudiez-le et entraînez-vous. D'accord, très bien. On va inverser plutôt, parce que si t'es devant, tu vas te faire dérailler. Ça brûle. Lancez 5 fois le sort. Ok, bah pas de problème. On va les mettre là, tac. Remonter leur morale avant de partir. Est-ce qu'ils ont des potions de vie? Non, ils ont plus de potions de vie, je crois. On va en faire 2 juste avant de partir. Ok. Tac, tu vas les faire. Et encore, si je voulais faire un stock plein de potions de vie, je pourrais les mettre chacun sur une ligne et les envoyer genre ici, avec leur level et leur stuff. Normalement, ça devrait être tranquille pour eux. On va retenter là-bas. Ok les gars, vous avez moyen de faire un truc bien là. Donc là normalement il devrait faire beaucoup plus de dégâts, donc on va pouvoir le constater cette fois-ci. Donc il prend cher, c'est quoi? Ouais, bah, beaucoup plus de dégâts, non, peut-être pas forcément, mais il fait plus de dégâts, ouais, peut-être un peu. Ouais, forcément. Encore un élite, mais on a que des élites, c'est abusé. Essaie de soigner direct peut-être. Ah bah non, il a peut-être plus de potions. C'est pas grave. 112, bon, on récupère l'argent direct. Hein. Quoique les minerais 4. On va déjà voir ce que ça donne. Normalement, toi, t'as ce qu'il faut. Ok, soigne-toi. Allez, tape. Ok, vas-y, encore une fois, un soin. Allez, tire, voilà. Ah, ça m'embête de tous les... Non, non, c'est bon, je crois qu'on va pouvoir rentrer quand même. Donc c'est bien. Ok, on a réussi à tout ramener, ça c'est cool. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon, alors cuir noir, on va en fabriquer un peu. Et on va faire des lingots. Détendez-vous, ok. Avec ça, on va enfin pouvoir faire notre épée du coup. Elle est niveau 8 en plus, donc c'est parfait. On est pile-poil du bon level. Il a 18% de chance. On va quand même augmenter son moral. Tout est bon à prendre. Et tu vas faire ton épée. Ah non, ils en manquent un. Mince, il en manque. Ah, je suis déçu. Bah, c'est pas grave. Alors, planche de pain. D'accord. Cure de loup, on s'en fout. Bah, pour l'instant, on a un autre à faire. Hein. Arbalète de bandit, si on peut faire l'arbalète. L'arbalète rudimentaire, elle fait 10, 20... Ouais, et bah, on va faire l'arbalète, hein. Elle a 24% de chance d'en faire un objet de qualité supérieure, donc pourquoi pas. J'espère que ça va passer. Allez,
Un objet de qualité supérieure. Et je ne crois pas. Ben, c'est pas grave. Ok, tu vas t'équiper l'arbalète, la nouvelle. Ah, elle est quand même beaucoup mieux. Hein. Plus de dégâts déjà. On va vendre l'ancienne. Celle-là, boum, 200 pièces d'or. Et on repart. On repart sur cette lane. Vas-y. Donc là, tu devrais faire plus de dégâts aussi, toi. Ouais, 93, c'est bien. Pour peu qu'elle tire deux fois, on peut faire du 200 dégâts quasiment à quelque chose près. À 72, là. Ok. Oh, l'esquiver. Oh, l'esquiver. Forcément, elle esquive au moment où elle tape deux fois, logiquement. Bah là, ça me paraît mal engagé. Le bois, j'en ai pas forcément besoin. Plus de l'or. Du métal, surtout du métal. Il me faut du métal pour le... Bah, pour l'instant, on récolte que du bois, donc je vais prendre. Ok. Si on doit fuir, on pourrait ramener 60 pièces d'or ou du bois. Bah non, 4 bois, là, on va récupérer le bois quand même. Hop là, il n'y a que du bois. Bah même, je pense qu'on va pouvoir tout ramener au final. Hein. On a récolté que du bois. Eh ben, c'est parti, on va tout ramener. 8 bois, bah c'est parfait. Lui, il arrête pas de se prendre des dérouillés, il meurt tout le temps, le pauvre. Il fait presque de la peine. J'ai eu un presque, hein, parce que bon, pas tant que ça. Pantalon de bandit, non. Je pense qu'on va avoir besoin de bois plus tard, donc pour l'instant, on peut faire les... On va le garder de côté, on va le mettre de côté. Non. Ah oui, je vais m'entraîner à lancer des sorts, j'avais oublié, moi. C'est quoi cette histoire? Lingot de fer, on en a pas. Eh bien, on va payer un peu de soins. Allez, go. Non. Ok, on se pose et tu repars. Et nos sorts. Wow, d'accord, ok. Je peux... D'accord, je ne savais pas. C'est génial. Allez, boum, 71. Il va crever? Rentre, 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 non! Bon, bah, il est mort. Il est mort. Bon, bah, très bien. C'est pas grave. Alors, il me faut plus de mana. Le mana, je sais que c'était... C'était où, du coup, déjà? J'ai déjà oublié. C'était où? Je crois que c'était là, ouais. C'était là. C'était là, cruche de mana. On va en faire un pour l'instant. Peut-être deux. Donc fait que je m'entraîne à lancer des sorts. Ah, c'est bien, ça leur file un coup de main sur le 10. Ah bah tu vas nous en faire plus du coup. Hein. Fais le maximum. 3, ok. Toi, on va faire en sorte que tout le monde ait du moral parce que là c'est vraiment trop la galère sinon. Boum, on a récupéré tout notre mana. Récupérez votre morale. Le soin, on va attendre encore un peu. On va attendre encore un peu. Et il nous faut vraiment du métal. Ça devient urgent. Parce que mon guerrier ne fait rien. Mais rien de rien. À part mourir à tout bout de champ, il ne fait pas grand-chose. On est reparti, les gars. Donc du bois, c'est bon. Du fer. Enfin du fer. Du coton, on a ce qu'il faut. Le jour où on va avoir besoin de coton, on sera tranquille. Hein. Boum. Ah, j'aurais dû garder ça sur l'élite, mais c'est pas grave. Je peux encore lancer un. Hop, 71 dégâts. Moi, j'ai tout fait, maintenant je peux plus rien faire, donc débrouillez-vous. Ouais, c'est bon ça. Je crois qu'on va gagner cette fois-ci. Ça les aide pas mal, hein, la magie. Oh, les dégâts, c'est abusé. Voilà, t'aurais pas eu besoin, mais c'est pas grave. Par contre, on a toujours pas assez de fer. On a vraiment quasiment rien récolté. Et ben, on va les envoyer cette fois-ci ici. Ouh, j'ai oublié de prendre du mana. Et ben, waouh, ils sont déglingués là. Je crois qu'elle a plus de potions, elle. Oh, du fer, il nous faut du fer. Ah si, il y a une potion encore, il lui en restait une. Tac, ça c'est bon. 2 fers, et bah c'est parfait, on va enfin pouvoir faire notre épée. Parce que c'est vrai que lui ne fait rien comme dégâts. Enfin si, 87, mais... Oh, 2 élites d'affilée, c'est abusé. On va se préparer à fuir, je pense. Je crois que lui, il a pas de... Non, je crois que lui, il a pas de potion. Hein. Si on arrive à le tuer, lui, on est peinard. Ah bah oui, c'est bon, en fait on n'a pas besoin de fuir. Je crois pas qu'on ait besoin de fuir du coup. Ah, précolle du coton et on rentre. Ça c'est bon.
Donc le jeu se résume beaucoup quand même à ça. C'est vraiment, t'envoies tes héros, tu récupères tes ressources, tu craves du stuff pour les améliorer, puis tu les renvoies, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est un côté certes répétitif, mais moi qui me plaît. Donc pour le coup, je suis pas. Moi, ça me. Voilà. C'est pas assez répétitif, mais pas rébarbatif. Donc c'est pas dérangeant à la longue. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait pas mal de choses en vidéo, donc on va cesser là-dessus. Et je vous dis donc à plus tard. Ciao, ciao, merci d'avoir regardé la vidéo.